FC Metz, l'OGC Nice et plusieurs grands clubs s'intéressent à Pape Matar Sarr. Après un gros éclosion connu cette saison avec le FC Metz, Pape Matar Sarr, 18 ans, commence à taper dans l'œil des recruteurs de clubs européens, notamment ceux de l'OGC Nice. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sénégalais, le jeune milieu de terrain Pape Matar Sarr réalise une saison tonitruante en Ligue 1 avec le FC Metz pour sa première campagne en pro. Disposant d'un contrat allant jusqu'en 2025 avec le club mosellan, l'ancien joueur de Génération Foot intéresse plusieurs clubs dont l'OGC Nice. En à croire les informations de l'équipe, le directeur sportif du gym s'est mis en contact avec l'entourage du joueur et a essayé de rencontrer récemment sa famille au Sénégal. Nice serait d'ailleurs prêt à mettre une somme autour de 12 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune lion. Angleterre Championship, Watford caresse la première ligue grâce à un superbe doublé d'Ismaïla Sarr. Les Hornets de Watford impressionnent en cette fin de saison en Championship et peuvent rêver d'un retour plus tôt que prévu en Première Ligue. Le retour en Première Ligue se précise pour Watford. Le club londonien a en effet réalisé un grand pas ce vendredi pour retrouver un niveau qu'il avait quitté il y a seulement une année. À 5 journées de la fin, et malgré sa deuxième place, Watford compte provisoirement 12 points d'avance sur Brentford, troisième.